La guerre, les gars. C'est comme ça que vous devez aborder ce match. La guerre. Successfully the get up. Ayant fait la carrière qu'il a fait, je pense qu'il aurait souhaité mettre les crampons et pour pouvoir donner un coup de main. La lumière, elle est là, les gars. Elle est là. He doesn't go back, he takes just one step behind. Il hésite quelque peu et c'est à côté. Un défenseur qui va tirer le pénalty, c'est le pénalty. Par contre, il y a le 9. Mais c'est pas possible. Vous savez, le Camerounais, il est comme ça. Quand ça va, il est avec vous. Quand ça ne va pas, il tourne très vite le dos. Où tu joues la CAN chez toi, ben, tu as la pression de tout le monde. Et tu as la pression du gouvernement, du public, du président qui était là tout le temps. Nous, il était hors de question qu'on passe à côté de matchs comme ça. Et c'était la première compétition pour lui. Et premier mandat, premier mois en tant que président, dont je pense qu'il avait, pendant toute la compétition, il devait quand même avoir ce stress d'être avec tout qui lui arrive au même moment. Le Cameroun est une belle nation. Aujourd'hui, on va taper la Gambie. Ils n'ont aucune chance. Ils ne vont pas venir nous taper sur notre stade. Yo, il est en loyer. Car la CAN nous appartient. Et puis voilà. Oui, c'est bon, ils sont avec moi. Ça va, merci. C'est la CAN des Lions. J'accompagne seulement ce groupe merveilleux. C'est leur CAN. Il est vrai que c'est un privilège, mais c'est une lourde mission aussi. Donc il est important qu'on envoie ces ondes positives, qu'on soit près d'eux, qu'ils sentent tout l'amour de ce beau peuple et qu'ils continuent de nous faire rêver.
Dans tout match de football, hein, il y a toujours, il n'y a pas la peur. Je pense que le mot peur, ce n'est pas le mot qu'il faut employer quand on joue au match de football. Ce n'est qu'un match de football après tout. Après, ça a son degré d'importance. Et là, pour nous, tous les matchs, même les matchs de poule, étaient très importants. Vous voyez, si vous voyez tous les matchs, l'attitude du président, je pense que c'était lui le plus stressé. Et il a vécu comme un joueur, en fait, quoi. Defense with about 3 or 4 goals conceded. Here we go with counter for Ekambi. He leaves that up. Can he find Muminga Malo? Just come back. You notice that they are playing very much in the Gambian side of the pitch with Muminga Malo, who leaves that up, finds up and Sabu Bata. Shakes it from the back of the leg and it goes above the woodwork. They open out successfully. They get up. Dipende Boufa. Mais c'est bien. Coming again. A long one day. Do we get the ball? Vincent Boubaga gets the header. Oh. 45 minutes de vacances hein, pour le portier camerounais à la fin de cette première manche. André Onana qui n'a donc pas encaissé au cours de la première période. Confiant. Inquiet non. Je ne pense pas qu'il était inquiet, mais pensif. Je pense qu'avant même le match, il s'imaginait déjà le scénario du match. Est-ce qu'on allait gagner 1-0 tout de suite, 2-0? Est-ce que le match allait être compliqué? Je pense que c'est des scénarios, c'est des images qu'on a un peu avant un match. Ayant fait la carrière qu'il a fait, je pense qu'il aurait souhaité mettre les crampons pour pouvoir donner un coup de main. Faye Collins, le centre de Faye et la tête défensive de la Gambie. For Cameroon, that battle there with Captain Pa Modu. Muminga Malo succeeds in that one and that is a but. Ladies and gentlemen, that is a goal. But camerounais. Goal Toko et Camille à ce but libérateur. On l'avait annoncé. Five Collins, oh! Boy takes it
Cavaleux. La balle en finesse, le centre. Et le deuxième but. Le deuxième but camerounais. Carl Toko et Kambi pour le doublé. Inisco, Carl Toko et Kambi. Matista Weleko's record. Beats Roger Miller's record. La Gambie, meilleur match. Oui. Je pense qu'on avait. On a gagné les trois premiers matchs de poule sans vraiment convaincre. C'était pas. Voilà. Mais je pense que au fil des matchs, on progressait. Donc je pense que quand on gagne une compétition, ce n'est pas vraiment nécessaire que le premier match soit extraordinaire. Tout ce qu'il nous fallait, c'était de gagner victoire après victoire. Effectivement, contre la Gambie, c'était un match plus abouti où on commençait vraiment à entrer dans la compétition. Et forcément, ça s'est traduit par un score de 2-0. Et je pense que c'était l'idéal pour nous que ce match-là, qu'on commence à vraiment à mettre notre empreinte. Je pense qu'aujourd'hui on fait l'un de nos meilleurs matchs depuis le début du tournoi. Donc l'équipe monte en puissance et Inch'Allah, en opération le 6 février. Non, jouer leur football, se libérer, c'est le football, éviter de tomber sur le jeu l'adversaire parce qu'on savait, qu'ils devaient chercher à perdre le temps, mais on a été bien. Très heureux. Mais ce groupe mérite tellement de bonnes choses qu'une étape encore et on aura la possibilité de jouer cette finale chez nous au Cameroun. Il faut rester concentré. Mais aujourd'hui, ils ont été les lions qu'ils sont. Vous savez, aujourd'hui, je crois que les dirigeants du Cameroun, vous ne verrez que des heureux. Que des heureux. Et je sais que le lundi commencera bien pour tous les Camerounais. Et c'est ce que nous souhaitons. Félicitations à eux encore. La prochaine finale, c'est la demi-finale. La seule manière qu'on peut transmettre notre victoire, notre performance au peuple camerounais, c'est la victoire. Maintenant, tout dépendra de vous. Maintenant, tout dépendra de vous. Ça doit être une base pour nous, pour les prochains matchs. Maintenant, nous on va être focus. Le plus important, nous, on va arriver au sommet. Le 6 et après le reste, on remet ça entre vos bras et au bas du dans l'entraînement. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci président. Et félicitations. Pas seulement pour la victoire, mais l'attitude était incroyable. Incroyable. Je vous ai dit hier, à l'entraînement, en vous regardant, je savais qu'on était dans ce match. On était vraiment dans ce match. Il faut le revoir. C'était tellement beau. C'était tellement beau, les gars. Mais on a un objectif. Notre prochaine finale arrive. C'est jeudi, Bill. Notre prochaine finale, c'est jeudi, les gars. C'est jeudi. Non, jeudi. C'est jeudi, les gars. C'est jeudi. Je vous prie de vous reposer, les gars. De vous reposer. Vous avez tellement donné et vous êtes là. La lumière, elle est là. Elle est là, les gars. Elle est là. Mais vous avez encore une marche à franchir. Une marche à franchir, les gars. Tout ce que vous avez fait, vous devez concrétiser ça jeudi. Jeudi, les gars, avec la même mentalité, préparez-vous parce que ça sera la guerre. La guerre, les gars. C'est comme ça que vous devez aborder ce match. La guerre. Vous ne pouvez pas laisser l'occasion que vous avez pour voir cette lumière. Impossible, les gars. Impossible. Il y a eu quelques couacs, mais dès tout à l'heure, je vais commencer à mettre la pression sur nos parents. Les lions doivent être servis en premier. Vous êtes ce qu'il y a de plus beau.
Vous devez être servi en premier, car c'est grâce à vous que nous nous retrouvons dans ces salles. Si vous n'êtes pas là, personne ne vient. Donc certaines petites choses qui ne fonctionnent pas bien doivent bien fonctionner pour le prochain match. Vos familles doivent être servies en premier. Vous devez être servi en premier. C'est comme ça le football, les gars. Et vous allez décider, j'ai dit 50 millions, mais je vais voir avec mon comité exécutif ce qu'on a dans les caisses, car vous faites un geste pour nos frères qui sont venus à Olembe vous témoigner tout leur amour, qui ne sont plus avec nous, mais qui nous regardent. Dès demain, ou lundi au plus tard, toutes ces familles seront reçues et on donnera ce que vous avez voulu qu'on donne. Et le reste ira dans vos comptes. Je pense que la présence du président n'était pas une pression négative. Elle était plus constructive et puis positive. J'ai l'impression que dans le vestiaire, il n'était plus comme un président. Il était comme un joueur. Donc, et les joueurs l'ont pris comme ça, c'était comme un coéquipier, comme un collègue. Sauf qu'il n'était pas sur le terrain, il était forcément bien sûr dans les tribunes. Et c'était plutôt bien, ça a boosté tout le monde, le fait qu'il soit loin, parce que bah, quand il dit quelque chose, bon, on est attentif, on écoute. Et ça nous a aidés. On va gagner, c'est pour nous, c'est notre CAN, c'est chez nous, c'est pour nous. Quand on rencontre une grande nation contre l'Égypte, c'est vrai qu'on pense toujours au passé. On pense à la finale, par exemple, qu'on a perdue contre l'Égypte ou Ghana. Et les discours qu'on peut dire, qui peuvent sortir, sont des discours, bah, il ne faut pas que cette histoire se répète. Et puis voilà, on a... Avant ces matchs-là, le staff technique a regardé, on a fait revoir les anciens matchs un peu. Et on a bien observé cette équipe-là. Tous les matchs, c'est stressant parce qu'on appréhende sur ce qui va se passer. Même si on est très confiant parce qu'on a un très très bon groupe, on appréhende toujours parce qu'un match de football reste un match de football et puis beaucoup de choses peuvent se passer. Mais nous espérons que ce soir, les choses
iront en faveur de notre belle équipe nationale. Oui, on n'a jamais perdu depuis 23 ans au Cameroun et nous espérons que nous allons continuer dans cette lancée. Nous savons aussi que les rencontres entre ce beau pays qu'est l'Égypte et le Cameroun, ce sont des rencontres qui promettent beaucoup de spectacles et où les scores sont très souvent départagés. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment et nous croyons à la victoire et à la qualification de cette belle équipe du Cameroun qui mérite d'avoir l'opportunité de jouer cette finale. L'état d'esprit est bon. À quelques minutes du mat, il est très bon, mais il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue de travailler. Sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs, pour les concentrer. Le reste, c'est ce qu'on fait. Allez, les gars, allez. Le reste, c'est fait. Allez, comment est-ce qu'on fait? On y va. Je pense, généralement, les discours, il n'y avait pas un discours plus différent que les autres matchs. C'était simplement, c'est l'Égypte, c'est une grande nation. Forcément, plus de stress, plus de concentration. Et plus de motivation. Tu ne peux pas venir dans un vestiaire et puis dire qu'on va perdre ou on va avoir peur, non. Tu dois dire qu'on va gagner ce match. Tu as la conviction de gagner, tu as des certitudes. Et après, c'est un match de football. Hein. Tu dois être positif avant un match. Dans les vestiaires, nous sommes tous positifs. On se dit que ça va aller. Après, bon, les événements se passent. On ne gagne pas. Mais il faut toujours avoir ce sentiment d'avoir tout donné. Je pense qu'on l'a fait. C'est le sentiment que j'ai eu. You can thank God for the moment, but you can't thank God. Cette fois-ci, c'est la bonne. La tête camerounaise pour... It is a penalty. It is over for the first half of this game. When we come back in the second half, we may now see a goal coming in. Plus stressé forcément parce que tu es encore à 0-0, tu te poses beaucoup de questions. Moi-même, je me posais beaucoup de questions. Quelle va être l'issue de ce match? Il y a beaucoup de questions. Alors, on essaye de transmettre, de galvaniser encore à la mi-temps, d'encourager tout le monde, quoi. Donc, c'est ce qu'il a fait. Allez, allez, les gars, allez! Thank you.
possession de balle. Il y a au moins deux Égyptiens qui se précipitent. James Léa Siliki le frappe. Touché cette balle. Beautiful from Frank Collins. Il va certainement rentrer dans la surface de réparation qui donne bien le service. Oh non, un beau hasard. Et cette balle qui arrive derrière le capitaine Vincent Aboubakar, déjà jeté. Ce qui est dérangeant, c'est le fait de jouer souvent contre une équipe qui ne joue pas. Et qui va essayer de gagner du temps, de tricher. Moi, j'ai eu l'impression que l'Égypte a tout fait pour ne pas jouer et pour aller au pénalty. Et ils étaient mieux préparés que nous à la séance de tir au but. It is over. Evariste Eyenga. Now we get into penalty shootout. Ah ouais. Le capitaine, pour ouvrir la voie aux Lions indomptables, il va s'avancer. Vincent, et c'est dedans. Il score. Comme à l'accoutumée, Vincent Aboubakar. Mustapha, l'attaquant du Zamalek, face à André Onana, il tire, c'est dedans. Réalisation égyptienne. Completely beaten. One goal on either side as far as the penalties are concerned. Aaron Mukuli dans le tir au but est stoppé malheureusement. Aaron Mukuli took a straight penalty. C'était pas du tout bien tiré pour Aaron Mukuli et Yannick Noah l'a vécu. He doesn't go back. He takes just one step behind. Il hésite quelque peu et c'est à côté. Complètement manqué. C'est à côté complètement manqué pour Quinton Mwangi, l'Égypte qui est donc qualifiée. Pour la finale, 3 tirs au but à l'intérieur contre seul pour le Cameroun qui est éliminé. C'est bien dommage, ça se termine. Ce qui m'a dérangé, c'est plus le fait, la façon dont s'est déroulé les... On peut... Si à la limite on les avait bien tirés, notre attitude était beaucoup plus convaincante. C'est plus ça qui m'a déçu que l'élimination en elle-même. Parce que tu peux être éliminé en jouant bien. Tu peux être éliminé, mais être éliminé et sentir que tu n'as pas tout donné. Parce que dans le match, on s'est loupé plein d'occasions, donc on a tout donné. Mais on n'a pas été jusqu'à la séance de tir au but. On était fébrile. Je ne sais pas si finalement je peux employer le mot peur, mais on était fébrile. Et vous voyez que l'Égypte l'a mieux préparé. Vous avez vu après que l'Égypte a étudié tous nos joueurs. Là où est-ce qu'ils devaient tirer, il y a eu ce fameux papier qui est sorti. Et on a eu un petit manque d'expérience. Sur ces tirs au but là. On s'est loupé. Penalty m'a tiré. Joueur qui. Même quand tu vas prendre le ballon, on n'a pas senti cette. On n'était pas confiant. Je ne peux pas exactement vous dire parce que lui, il était dans les tribunes. Je ne sais pas s'il est descendu pendant cette séance, mais j'imagine que
la façon dont s'est déroulé, la façon dont nous avons tiré ses buts, il a dit qu'il a dû se dire qu'il a manqué quelque chose, quoi. On n'était pas prêt pour les tirs au but. Forcément, nous sommes déçus. Il y a la déception. Il me console parce qu'il y a la déception. On se console parce que ben, notre chemin s'arrêtait entre parenthèses là. Notre objectif définitivement pas atteint. Et puis, malgré tout, tout de suite, c'est se remettre dans la récupération parce qu'on a une petite finale à jouer et qu'on doit sortir quand même la tête haute. Donc forcément, oui, on s'est consolé, mais voilà, il fallait quand même bien finir. Particulièrement, je suis fâché comme tous les Camerounais. Premièrement, le président ne peut pas inaugurer un stade. Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT et puis nous on ne gagne pas la CAN après 50 ans qu'on organise. Il y a eu des dégâts catastrophiques dans cette équipe. Un défenseur qui veut tirer le penalty, tu le penalty. Par contre, il y a le 9, mais c'est pas possible. La tristesse, les têtes basses, tout le monde triste. Puis justement, ben, quand tout le monde est triste comme ça, il faut relever la tête, il faut motiver, il faut encourager. Si c'était le dernier match, ben, il n'y aurait plus rien eu à dire. Hein. On aurait fait un discours de revoir, et puis, le fait qu'il y ait eu encore un match là et tout, c'est tout de suite la motivation, il faut tout de suite se remettre dans le bain. La compétition ne s'arrête pas là, il y a encore, je crois, 48 heures après, on devrait déjà se remettre dans le bain pour jouer contre le Burkina. Il fallait un match comme ça. Le chaud froid, ouais. À tout le monde. Pas seulement à nous deux, à tout le Cameroun, à le Cameroun entier. Et je pense que il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait ce scénario-là. Parce que ce scénario-là a effacé un peu notre défaite contre l'Égypte, le fait de ne pas avoir fait la grande finale. Et pour moi, sincèrement, c'était la grande finale qu'on a jouée, en fait, là. Au niveau du scénario, hein, parce que quand tu fais une finale comme ça, vous avez vu la finale contre le Sénégal, c'était un match banal. Mais la vraie finale, finalement, c'était ça. Il a fallu, le scénario était idéal. Ça, c'est l'inconscience, c'est naturel, je veux dire. Que tu es le Cameroun, tu dois gagner la CAN, et finalement, tu ne la gagnes pas, tu as un match de classement, et voilà. Ça, c'est l'inconscience, en fait. C'est pas,
ce n'est pas volontaire au début, c'est comme quand vous gagnez, vous voyez les matchs de coupe en France, je peux prendre des exemples, le PSG contre une équipe de 4e division, se fait malmener, ça c'est inconsciemment ça, ce n'est pas qu'on veut. As the Burkinabe cruise into the Cameroon area, there was a diagonal kick there. Le fait que ce soit, on n'a pas négligé, respect pour l'adversaire toujours, mais c'est comme ça. Les footballeurs, nous sommes un peu comme ça, on se déconcentre un peu, on se démotive un peu, parce que ce n'est qu'un match de troisième place, ce n'est qu'une petite finale, ce n'était pas notre objectif. Donc forcément, je ne parle pas de manque de respect, mais on minimise un peu l'adversaire. Of this game. And he's going, it's a goal. It is a goal. It is a goal, Jean-Manuel. The far right. He keeps it out, but the ball! Goal number three! On prend 3-0, 3 buts. La première mi-temps, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu qui n'était plus la nôtre. En fait, c'est ça qui a... Voilà, c'était un match de classement. Est-ce que le Cameroun fait une canne chez elle pour faire un match de classement? Non, c'est tout ça, en fait. C'est tout c'est la déception, en fait, qui a fait à ce que on soit comme ça. Je suis même certain que si en première mi-temps, ça ne faisait qu'un 0, je pense qu'on n'aurait même pas gagné ce match-là. On ne serait pas réveillé. Mais c'est le fait d'avoir pris une leçon, 3 buts, comme ça, que justement, ça nous a piqué. Il fallait ça. Et à la mi-temps, là, on se remobilise tout de suite. On oublie peut-être que c'est un match, une petite finale. Et il y a notre orgueil qui est en jeu, notre fierté d'être Camerounais. Et on renverse la situation. Décidément. Et ça rentre, c'est au fond quand même. Et le Burkina Faso. And this goal number two for the Dominicans of Cameroon. Burkina Faso, il faut aller au front. Il faut aller au front. Essayez l'égalisation. L'égalisation du Cameroun. It is the equalizer. I told you. There's 5 minutes of football, 5 minutes of intensive play, 5 minutes of nerve breaking. Ben 1-0, 2-0, 3-0. On y croit au fil des buts qui passent. On voit l'équipe adverse trembler. Manque d'expérience. Le fait justement qu'on arrive après cette remontada, qu'on arrive au tir au but, on a l'ascendant déjà psychologiquement sur le Burkina, qui se pose des questions et se demande ce qui se passe. Et forcément, pas du tout concentré lors de la séance de but. Et vous savez, quand dans n'importe quelle situation, quand tu as... Ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, putain, on gagnait. Ils pensaient encore à leur 3-0. Ils étaient encore là-dedans. Et nous, on était sur la bonne lancée. Donc je pense qu'ils ont été déstabilisés. Et nous, on a assuré. Forcément, chaque joueur a assuré. Et puis... le fait justement l'Égypte d'avoir mal tiré, je pense que ça nous a servi justement finalement. Finalement, notre mauvaise phase de tir au but contre l'Égypte nous a servi contre le Burkina. Le former player of FC Porto, now playing professional football in Qatar, he puts the ball into position. The referee sounds his whistle, comes in there, 1-2, he hits it and he scores. Et c'est un doyen. Comes in there.
C'est bien fait pour le Cameroun. Ambrose Yongo has the bronze medal. Il va tirer du pied gauche. He comes and he hits it. Très bien exécuté le Cameroun à la médaille de bronze. And this is what was expected of the indomitable lions of Cameroon. Je crois que ce match doit réconcilier les Lions de On a eu l'impression même d'avoir gagné la CAN parce que c'était vraiment toute cette joie. Cette joie-là, c'est le scénario en fait qui fait à ce qu'on ait cette joie, parce qu'on revient de très loin. Si on avait gagné 3-0, il n'y aurait pas eu cette même joie-là et tout. On aurait gagné 3-0 dans le temps réglementaire ou 2-0, 1-0. Ça n'aurait pas eu le même goût. Donc c'est ce scénario-là qui a fait à ce que qu'on oublie un peu tout. On revient de loin. Ouf, c'était un soulagement. On pensait à tous les fans, tout le Cameroun, tous ceux qui sont venus au stade, qui étaient venus, tout ce que le gouvernement a mis pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions. On s'est dit que ouf, on a quand même un peu sauvé la CAN. Zéro à la mi-temps, c'est pas quelque chose de facile. Remercier les autorités, tous les efforts qu'ils ont faits pour qu'au minimum qu'on assure cette troisième place. C'est quelque chose d'extraordinaire et il fallait le vivre et Dieu merci. Vous savez, le Camerounais, il est comme ça. Quand ça va, il est avec vous. Quand ça ne va pas, il tourne très vite le dos. Mais ça a permis à l'équipe de se remotiver, d'aller chercher cette médaille et je pense qu'il le mérite vraiment. Je pense que c'est une très, très, très bonne équipe qui peut aller très loin. Et ça, nous en sommes conscients. Ne vous inquiétez pas, nous allons suivre tranquillement leur mouvement et vous verrez qu'on aura une très grande équipe. Vous levez, le ministre a parlé, moi. On est heureux. Les Lions ont une fois de plus prouvé que quand ils veulent, ils sont imbattables. Mais maintenant, après avoir dit merci pour cette troisième place, on a des échéances qui arrivent qui sont très très importantes et il est important qu'on commence dès aujourd'hui à les préparer. C'est une belle équipe, c'est une belle équipe avec un beau staff. Il faut continuer à travailler et à améliorer cette équipe. Et puis on a des jeunes qui cognent à la porte, qui auront leur chance et nous espérons qu'ils viennent faire comme leurs aînés qui sont là. On a compris aujourd'hui que pendant les tirs au but, vous pouvez avoir un peu plus de chance, un peu moins. Et aujourd'hui, on a eu cette chance-là. Et puis on gagne ce match. Mais beaucoup plus loin que les tirs au but. Le match en lui-même, ils ont prouvé après un résultat de 3-0 qu'ils pouvaient aller chercher dans leurs ressources. Après avoir joué un match de 120 minutes il y a deux jours et gagné ce match.
On est libre, on est libre, aujourd'hui. Disons que oui, c'était la première compétition pour lui. Et premier mandat, premier mois en tant que président, donc je pense qu'il avait, pendant toute la compétition, il devait quand même avoir ce stress d'être avec tout qui lui arrive au même moment. Tu passes des élections, tu deviens président, tout de suite tu enchaînes avec une CAN. Je pense que ça a été quand même un gros poids pour lui et heureusement que on gagne quand même cette petite finale, qu'on monte sur le podium. Donc évidemment, lui, il aurait préféré être champion tout de suite. Alors, deux choses. La première, les gars, repartez dès que vous pouvez dans vos clubs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi, on ne veut pas de problème avec vos clubs. On a tous besoin de vous. Le coach a besoin de vous. C'est un conseil de grand frère. Nous avons une Coupe du Monde devant nous. Nous avons une Coupe du Monde devant nous. Et si vous nous ramenez la victoire, la qualification, je vous donne 800 000 dollars de prix. Commencez à penser à ça, les gars. Mais dites-vous, une Coupe du Monde, même tout l'or du monde ne vaut pas une Coupe du Monde. Mais parce que je dois vous motiver, parce que je dois vous accompagner, pour la qualification, c'est 800 000 dollars. Qui fait ce bruit là? Les biens, les émotions. Commencez à anticiper une fois de plus. Vraiment, merci à mon nom. I know it's hard.